Énième fusillade hier aux États-Unis, près de Chicago. Au moins 6 personnes ont été tuées par un tireur isolé qui s'était positionné sur le toit d'un immeuble. 26 autres ont été blessées alors qu'elles participaient à un défilé à l'occasion de la fête du 4 juillet. Le tireur présumé a été arrêté. Écoutez les précisions du chef de la police de Highland Park. Son véhicule, le véhicule que nous recherchions, a été repéré. Au moment de procéder au contrôle routier, le suspect s'est enfui. Une brève poursuite a eu lieu. Finalement, on a réussi à l'arrêter. Il a été placé en détention sans incident. Il est actuellement au commissariat et nous allons maintenant débuter l'interrogatoire pour nous assurer que ce suspect est bel et bien lié à cette fusillade.